Chapitre 2e. Une bière, deux maléfices, trois compagnons. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Nahulbeuk, nos aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boissons, assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute, c'est une taverne. Ouverte au public, c'est fou. Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudra retrouver le nain? Parce qu'il fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. Salut. Salut. Vous cherchez un nain? Ça se pourrait. Non, pas du tout. Faudrait savoir qui j'écoute. L'avorton mal coiffé ou la gourde en sandales? Nous avions un compagnon nain, en effet. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même. Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord? Le maître du donjon? N'importe quoi, c'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Une coopérative? De plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque? Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette folle et ses histoires de nains. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Bon, parlez, ça me gave. Si vous m'aidez à le descendre, on partage l'oseille. C'est tentant, mais on a des trucs à faire. Dis plutôt que t'as les chocottes. T'as oublié ton courage dans ton autre pantalon? J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet. N'empêche, c'est intéressant. Il y a peut-être un rapport avec notre nain. Mais pourquoi vous dites que c'est notre nain? C'est pas le mien, en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être paladine de la déesse Adati. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé, les débiles. Faut aller dans la salle de la Vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement! Hey, mais c'est moi qui dois le dire! C'est moi le chef de... Oh, et puis merde! Et c'est quoi cette histoire de chef? Bonjour, vous voulez commander quelque chose? Mais c'est pas un peu bizarre, cette taverne? La taverne de Nahulbeuk est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Chrome. Et allez avec votre déguette de train de patin. Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Et moi, je suis la belle sœur de Xor. Vos tentacules sont bien cachés. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Désolé, les clowns ne sont pas admis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. N'aime pas les énigmes, il préfère les mandales. Voilà, c'est par là. Il n'y a pas plus de nains que de beurre en branche. Ah bon? Le beurre, ça pousse sur des arbres. On va la pâter. Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc.
Il n'y a plus qu'à attendre. Préparez vos armes et vos sorts. J'ai trouvé une super hache d'Urandil. Hey, c'est pour moi ça. Akaladoukdouk, copain. Ouais, t'as raison, vieux. C'est son jumeau. Mais sous forme spectrale. Hey, bande de salauds. Vous m'avez abandonné ici. Vous m'avez laissé crever comme une mouche dans une bouse de yakak. Mais de quoi il parle? Je ne sais pas. Il a l'air mort. C'est peut-être cette amulette. Il utilise la ruse. C'est un truc de lâche. Pas du tout. La ruse, c'est de l'intelligence en action. Maintenant, je vais me venger. Je vais vous arracher les tripes à la fourchette à huîtres. Ah, c'est causé. On le bute. Vous croyez que ça va être facile? Vengeance. Le premier qui m'appelle Blanche-Neige, il se mange ma main dans la face! Vous allez regretter d'être venu. Jamais mal.
d'autre à frapper. Ça, Mauviette. Et plaf. Tu crois quoi, toi?